Et ben quoi, les mecs des calanques, je suis bien avec mon truc drift shop, non? 3, 2, 1, action! Aujourd'hui, on va aller chercher une voiture qui me tient à cœur. Comme tu vois ici, il y a des voitures de drift, des voitures, ou plutôt des buggy pour rouler dans la terre. Il y a des caisses de street, il y a une voiture de neige. Mais là, je vais t'amener voir une voiture. C'est un bijou. Il n'y en a pas deux comme ça en France. Je suis le repropriétaire depuis peu de temps. Donc je vais aller la récupérer. Franchement, c'est un bijou. Tu vas voir, c'est vraiment un bijou. Je sais pas pourquoi je t'ai vu où il passe. Merci. Il est beau mon camion. Hein, c'est le mien à moi. Même avec une tonne de sable dans la cabine, comme du à l'aise. Ah, donc il n'y a pas besoin d'échanger. En fait, ce que je voulais faire, c'est juste les niveaux. Ouais, il y en a, c'est bon. Elle fuyote un petit peu léger, tu vois, c'est un peu gras là autour de ça. Mais tu sais ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Rien du tout. Toujours ma petite antenne là. Tu vois, elle est là mon antenne. Zzz, zzz. Ah. Ben, je mets un peu de nettoyant frein. Voilà. Une fois qu'il y a un peu de nettoyant frein, ça décolle un peu la merde et après. Hop. Petit coup de soufflette. On va aller chercher le petit bijou dont je te parlais tout à l'heure. Et on a besoin de la redémarrer. On va faire une petite sortie grande. Regardez, il y a des toiles d'araignée dessous. On en est en sortie. C'est quelle couleur ça? Les habits de 30 ans. Elle a la voiture à 27 ans, les habits ont 30 ans, c'est tout nickel. Chez Matati, c'est efficient. Du coup, tu l'as acheté en 95? En 95, oui. Neuve? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, quand même. Moi, j'achète pas d'occasion. Enfin, je suis pas Axel. Pourquoi tu conduis plus? Eh ben, je suis trop vieille. T'es trop vieille? Quel âge t'as? 92. 92. Et t'as décidé d'arrêter de conduire? Voilà. Comment tu fais pour faire tes courses? Ah ben, je vais à pied. Combien de kilomètres cette voiture? 16 000 par là. 16 000 kilomètres. Elle est neuve. Pourquoi est-ce que tu as décidé de me la vendre? Eh bien, parce qu'elle ne fait rien dans mon garage. Hein, et ben, je préfère que ce soit toi qui l'aie. Surtout, quand tu étais tout petit, tu ne voulais pas monter dedans. Elle n'était pas assez belle. Tu vas la prendre, puis tu vas être content. Je vais frimer même. Voilà. Tu sais que je vais frimer, je vais aller sur la Côte d'Azur avec ça, là. Ah. Je vais me garer au milieu des Ferrari et des Lamborghini. Voilà, et oui, ça fera sensation. On dira, c'est celle-là la plus belle, c'est pas les autres. Et dommage qu'on n'ait pas l'odeur à la caméra. Tu ouvres la portière, t'as l'impression que tu rentres dans la concession Renault. T'as rayé un peu, c'est dommage. Voilà, en rentrant dans le garage, parce que ouais. Ben, je me suis loupée. Voilà, c'est le seul, je dis bien, c'est le seul défaut de la voiture, je vous jure. Vous n'avez jamais vu une voiture de 27 ans dans cet état-là. Le support de batterie, il n'y a même pas de rouille. Il y a deux petites feuilles, là. Voilà, il est neuf le truc, il n'y a même pas de rouille. La durite, nickel. La courroie, neuve. J'ai hâte de frimer avec cet été là. Je vais aller à Saint-Trope. Petite lunette de soleil, coude à la portière. Hop. Hop. Voilà. Et là on va voir si elle démarre. Non. C'est bizarre. Non, je vais essayer de mettre un petit coup de bâton sur le... Ah, messagerie, mais je cherche pas à appeler la messagerie. C'est pas les outils recommandés pour le bâton de ski. Hein. T'as des cannes à côté si tu veux. Ah, elle est où la canne? Et dire que lui, il est pilote professionnel, ça vous fait pas peur un peu? Légèrement. Pas prêt de frimer là. C'est une Renault. Non, pas prêt de frimer. Oh, t'as fait un bon coup là, franchement. Je t'ai goûté. Je t'ai persuadé qu'elle allait faire broum. Il vient de m'appeler, il était mécano chez Renault. Comme quoi, ça sert d'avoir des copains partout, hein, mécano partout. Et machin, il me dit, mais attends. Il me dit, mais elle a la centralisation? Je dis, bah oui. Il me dit, mais tu l'as fermé ouvert? Je dis, bah non, la voiture était ouverte. Il me dit, bah coup de centralisation, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, mets un coup de centralisation. Comme ça là, j'appuie. Ouais. Et là, on essaye? Yalla! Alors tu sais ce qui est marrant? C'est qu'il y a les vitres électriques, mais il n'y a pas la direction assistée. Moi j'arrive pas à conduire, alors imagine ma grande tante de 92 ans.
Du coup, elle m'a toujours soutenu dans les sports mécaniques, même si, je vous avoue, elle y comprend pas grand-chose. C'est pas du tout son truc, l'automobile. Elle a toujours cru en ma passion. Et elle m'avait aidé, ma toute première 200 SX S13, j'avais 19 ans. Je travaillais comme un dingue, j'étais apprenti bûcheron, donc autant dire que je gagnais pas bien ma vie. Et en fait, elle m'avait aidé, j'avais mis 3 sous de côté, et elle avait mis elle, un peu plus que 3 sous de côté pour m'aider à me payer une Nissan 200 SX. Alors mes parents, t'imagines bien qu'eux, ils voulaient surtout pas que j'ai ça comme voiture, parce que quand t'as 19 ans et que t'as une voiture sportive, ça fait flipper les parents. Ce qui est tout à fait normal. Et ma tati, je sais pas, elle, est, voilà, elle savait que c'était toute ma vie, que c'était ma passion, et du coup elle m'avait aidé. Elle m'avait avancé des sous pour pouvoir me payer ma Nissan 200 SX. Alors à l'époque, ça valait pas grand chose, hein, ça valait 3000 euros. C'est pas comme aujourd'hui où ça vaut au minimum 7 ou 8000. Ça valait 3000 balles. Ça prend de la vitesse, hein. Bon, j'accélère pas à fond parce que sinon ça marche trop fort. Bon, bah écoute, il n'y a pas de pédale d'embrayage, c'est une Twingo Easy. Voilà, Twingo Easy, Easy comme facile. Et ben voilà. T'accélères, tu freines, mais c'est pas tout à fait facile. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même passer les vitesses. Alors me demandez pas comment ça marche, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de jeu dans les biellettes de direction. Le frein à main il marche, comparé à toutes ces BM là où tu tires le frein à main jusqu'aux oreilles et ça marche pas. Maintenant il faut que j'ai un style sérieux, tu vois. Quand je conduis, il faut que ça en impose. Qui c'est qui a une voiture qui a plus de 25 ans et qui a moins de 20 000 km? Mettez-moi le en commentaire, je serais bien curieux. Mettez-moi une petite photo, un petit descriptif de l'auto. Et derrière, vous m'appelez, je viens la chercher avec une remorque. Alors, quand j'étais bûcheron en apprentissage à 19 ans, que j'avais pas un rond, j'avais une R5 GTD, donc diesel, une merde quoi. Et la pédale d'embrayage, le câble a cassé, et j'ai dû faire 180 km sans embrayage. Ça me rappelle exactement le principe de cette voiture. C'est-à-dire lâcher les gaz au bon moment, mettre en neutre, rentrer la vitesse et accélérer. On peut le faire, cette conduite, sur une boîte mécanique. Mais ça demande un peu plus de... Voilà, tu vois, un peu de finesse. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que regarde. Attends, je trouve que je suis pas assez en mode frime là. Ouais, comme elle est neuve, elle est belle la voiture. Salut. Elle est belle. On a dépassé les 100. 103. Dose de 20 centilitres, donc là il y a 20 centilitres, donc ça fait 2%, ah non, ça fait combien, 1% pour 2 doses, pour 1 litre, donc il en faudrait... On a 5, il fait 5 fois 2, 10, ça ferait 10, mais comme on en fait 2 fois moins, ça fait 5 doses, et c'est ça. Ah, tu manges bien, regarde-moi bien. Et hop là. Jamais vu une tronçonneuse démarrer. Attends, je vais la refaire. T'as jamais vu une tronçonneuse démarrer aussi facilement. C'est recommandé par le constructeur, cette manip ou... C'est ça. Bah, le constructeur, c'est nous. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai eu un petit souci sur le moteur du YXZ. Du coup, il y a un coussin de bielle qui a dégagé. Donc là, on est en train de démonter. Je pense qu'on a trouvé la panne. Il vient d'ici, mon poulet. C'est pas censé clacouiller comme ça, tu vois. Regarde. Normalement, quand les coussinets sont bons, du latéral, il y en a, mais t'as pas d'autre jeu. Celui-là, on va dire que... C'est bien même quand tu démarres. Tu rêves un peu? Pas ça. Franchement, c'est le top, il y a encore plus de marques qu'avant. Tu
une voiture dont j'avais honte, maintenant c'est une voiture à laquelle j'apporte le plus d'attention. C'est ouf. Même ma GT86, je la bichonne pas comme ça. J'ai dit que j'étais presque prêt à l'amener chez un de mes potes qui fait du detailing. Je l'ai jamais fait sur mes autres voitures, alors franchement le faire sur cette Twingo, je serais complètement fou. Mais j'ai jamais une voiture avec si peu de kilomètres en si bon état aussi, donc je comprends les gens qui prennent soin de leur voiture dans le moindre détail. Je peux le comprendre, c'est vrai, quand t'as un petit bijou comme ça, un petit bijou, voilà, une merveille. Ouais, tu te dis, c'est vrai, c'est joli quand ça brille. Les plaques qui restent de mon bâtiment, on savait pas trop quoi en faire, et j'ai trouvé une solution. Regarde, cette remorque, elle est immense, elle est géniale, mais il y a énormément de volume perdu entre les essieux. Et comme là, il y a un rebord, là, on voudrait mettre des plaques qui partent de là, qui vont jusqu'à tout là-bas. Et t'imagines le volume qu'on pourrait, mettre des cardans, des trains roulants, on pourrait mettre plein de pièces d'avance sans avoir à remplir le fourgon où il y a déjà les pneus, etc. Pas trop. Tu vois, je suis à 143,5 ici. Ah putain, on va même faire un autre truc avec une autre plaque, on va pouvoir, tu vas pouvoir... Il y a une droite ici, le long, donc 144 aussi, mais plus... Ouais, on va essayer de faire un truc. C'est au millimètre. Oh, mais c'est au millimètre. Au millimètre. Ouais, c'est chouette comme ça. Bon, bon, là, c'est ce côté, regarde, ça faut... Non, pas ici, non. Là, pas c'est ici. Pas au millimètre. Tourne ta tête vers là, voilà. Là. Ah, là-bas. Ah. Non, par contre, ce que tu peux faire, c'est... Il y a d'autres vis, je crois, qui sont planquées, je sais pas où. Bon, alors là, donc, j'ai Seb qui est en train de remettre un carter d'huile sur une belle Mercedes. Et Léon, son acolyte. Les gars, vous faites quoi comme formation? On est à l'IEMS. C'est quoi l'IEMS? L'IEMS, c'est une formation sur 11 mois. Et vous faites quoi? Et en gros, on travaille sur des véhicules de des écuries qui a sur le pôle. Donc l'IEMS est basé sur le pôle mécanique. Donc c'est les voitures de course que vous faites? Ouais. Et pourquoi vous êtes ici? À l'école, c'est plutôt de la monoplace que vous faites. Monoplace et puis de la midjet, monoplace, voiture de rallye aussi. D'accord. Bah là, comme il n'y a qu'un baquet, c'est des monoplaces, non? Ils font pas que nettoyer le sol, hein. Souvent, les apprentis, c'est nettoyer, ranger. Ben, regarde, ils ont ouvert le moteur du buggy, ils ont failli me faire une boulette. Bon, après, ils apprennent, hein, c'est normal. Tu sais, normalement, quand tu sors les pistons, t'as les segments. Les segments, c'est le truc qui fait l'étanchéité dans le cylindre. Et qui est dans tes pistons, t'as des gorges, et ces segments, comment dire, une languette métallique qui vient s'écarter contre la paroi pour étanchéifier. Donc, une fois que tu les sors de son logement, clac, ça s'ouvre, d'accord? Et là, ils ont voulu sortir, mais... Je les ai engueulés, hein, mais t'inquiète pas, c'est arrivé à tout le monde. Hein. Ils ont voulu sortir les pistons vers l'intérieur du moteur. Sauf que de l'autre côté, il passe pas le piston en diamètre. Par contre, en tirant, ça s'est sorti de son logement, les segments sont mis de travers, et tout bloqué. Impossible de les sortir, les pistons. Oh là là, je te raconte pas. Là, alors, heureusement que voilà, il y avait papa là qui est venu voir ça, là, qui leur a filé un coup de main et qui leur a dit, les gars, voilà, c'est pas comme ça qu'on sort les pistons. Donc, il a réussi à remettre les segments dedans et on les a sortis dans le bon sens, c'est-à-dire côté là où il y a la culasse, quoi, par le dessus.